Attends, vas-y, maintenant c'est bon. Bonjour. Je vais à l'épicerie où il y a mon amour Léon faire les courses. Et tu dois ramener quoi? Non, parce que c'est bien beau d'être amoureux, mais faut pas oublier mes courses. Hein. Oui. Tu ramènes quoi, Léon? Non, tu ramènes pas Léon. Tu ramènes quoi? 1 kilo de pommes à 1 euro, 2 oranges, ou alors s'il n'y a pas d'oranges. Quatre petites mandarines, s'il n'y a pas de mandarines et pas d'oranges, un peu plus mousse. Voilà, très bien. Un bon gros pot pelouse. Allez, à tout à l'heure. Coucou à tous, on est dimanche matin. Alors du coup, on va vlogger un peu aujourd'hui. Là, il y a Lilo, elle est partie à l'épicerie. Vous l'aurez juste avant, elle est trop rigolote. Elle est partie avec son sac et son petit porte-monnaie avec sa liste de courses. Ça me fait trop rire. Sinon, voilà. Ce matin, on n'a rien fait de particulier. Les filles, elles ont fait un peu des écritures, des exercices de maths. Enfin, voilà. Là je vais faire un gâteau parce que cet après-midi vous savez on va chez une voisine, du coup je voulais faire un gâteau et c'est pour ça que j'ai envoyé Lilou à l'épicerie chercher des pommes. Et voilà, je vous dis à plus tard pour la suite de la journée. Enfin voilà, on va faire comme d'habitude, on va vlogger sur plusieurs jours. Hier on n'a pas vlogué parce qu'on a fait le live, du coup voilà, samedi on n'a pas vlogué du tout. Aujourd'hui on va vlogger un petit peu, puis on va vlogger un petit peu cette semaine, et quand on aura un contenu d'une trentaine ou quarantaine de minutes, voilà, on vous mettra en ligne. À plus tard. Coucou à tous, alors on est lundi. Coucou. Lundi 10. Ouais, lundi 10. Voilà, alors on n'a pas filmé aujourd'hui, j'ai pas pris de photos, je crois. Enfin, si j'ai une ou deux photos, je vous les mettrai. Mais je dois pas avoir grand chose. Je voulais juste vous montrer qu'on fait des frites. Ce soir on mange steak frites, donc voilà. Moi comme c'est les vacances, souvent je fais des repas où on se prend pas trop la tête niveau alimentation, on va dire. On est un peu plus détendu que d'habitude. Ensuite, mais c'est pas cuit là. Mais non. Allez. Bonjour. Tu fais quoi là, Pamela? Bonjour. Attends, 2 minutes parce que là. Bon alors voilà, comme Ludo il est plus capable de mettre les cadres et qu'on en a marre d'attendre. Lola, tu me donnes ça? Ah non, c'est bon. File. Et qu'on en a marre d'attendre. En fait, je suis en train de prendre les cadres à Lilou. On a déjà mis celui-là. Et ça, c'est un cadre qu'elle avait fait quand elle était petite chez sa mamie. Quand j'avais 2 ans. Ouais, je sais plus quel âge elle avait. Donc en fait, j'ai mis ce truc en métal, c'est une cheville à placo, pour ensuite mettre une vis comme ça dedans. Sauf que le premier que j'ai fait, vous m'avez pas vu, j'ai traversé le mur. Heureusement, on a séché avec le cadre. J'ai fait une grosse catastrophe. C'est la première fois que je me sers de... Non, des pas d'une visseuse, hein, mais des vis à placo et de... Enfin, des chevilles à placo avec les vis qu'on visse dedans. Enfin, ouais. Alors, c'est des vis, c'est des chevilles en queue de cochon, ça s'appelle. Voilà, bah allez, écoute, tu t'as qu'à faire la technique. Ouais. Déjà que c'est moi qui pose les cadres à ta place, je sais pas si t'es au courant. Ouais, c'est normal. Tu peux faire l'explication technique au moins, voilà, je fais la théorie. La pratique, pardon. Alors, il faut expliquer aussi qu'à Pamela, j'ai demandé si elle vissait vraiment. Parce que j'ai vu que la visseuse était sur dévisser, elle m'a dit oui, oui. Et puis, croque le trou, t'es passé à travers. Bah quoi, ça continue d'avancer la vis, mais parce que j'ai forcé comme je sais pas quoi. Donc oui, effectivement, ça vissait. Il n'y avait pas de soucis, c'est rentré dans le mur. Hein. Ah oui. La cheville est rentrée, la vis qui allait avec, tout restait dans le mur. On rebouchera. Voilà. Bon, on a rebouché, j'ai mis de la pâte à fixe. Puis c'est derrière le cadre, pour l'instant ça se voit pas. Après un coup d'enduit, un petit coup de fonçage, un coup de peinture. Bon bah tu peux couper les filles. Oui. Alors. Alors vas-y, explique. Explique-nous ce que t'as fait, mon amour. Bah j'ai mis le porte-manteau clochette. Ah. Que Ludo il se foutait de moi parce que j'ai fait à l'œil, sans mesurer avec le mètre, tatati tatata. Tatata, hein. Voilà. Et heureusement qu'il y a une vis qui est plus grosse que l'autre, du coup ça rectifie le à peu près. Hein, oui, que... non, mais c'est pas trop maldroit, hein, ça va, allez, pousse-toi. Si t'es pas content, t'as quelqu'un pour aller. Bon, alors après, voilà. On va mettre les autres cadres. Donc, alors, la queue de cochon, voilà, à quoi ça ressemble vraiment. Oh purée, puis moi j'ai du mal. Et voilà. Et ben heureusement que je m'étais déjà servi d'une visseuse, hein, parce que sérieusement... Bon, mon prochain investissement, c'est une toute petite visseuse. Les petites visseuses, là. J'en ai déjà vu, j'en voulais une il y a longtemps. Après, ça m'avait passé l'idée, mais au moins, ça sera moins lourd que la chaîne.
D'accord. Alors, 1, 2, 3, on a dit qu'on mettait 2 là. Lucie, ça te convient? Viens voir. J'en mets 3 là et l'huile de Barbie, je le mets là-haut au-dessus du cadre. Oui, oui, miroir. L'huile de Barbie, c'est le mien. Ça me va. L'huile de Barbie, c'est le tien? Oui. Eh ben non. Milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Bien, mon père. Coucou à tous, alors on est mercredi, on est quoi, le 12 je crois, le 12 ou le 13, non on est 12, ouais on est mercredi 12, et du coup je vous prends ce matin pour vlogger un peu, on n'a presque pas vlogué cette semaine, je vous avais dit qu'on essaierait de vlogger un peu, enfin voilà, on n'a pas eu beaucoup de temps pour vlogger. J'ai fait le ménage du bas, je sais pas à quelle heure il est, il doit être 10h, 10h30, quelque chose comme ça. Parce qu'on s'est pas levé très tôt non plus. Et là je vais m'attaquer à la pièce. Alors ça c'est tous les cartons vides qu'on a vidés, qu'on a stockés là, que je vais redescendre d'un étage. Et ici là derrière, alors, comment je vous montre, comme ça, il y a encore des cartons ici, le long là et ici. C'est principalement du matériel de scrap ou voilà, des choses comme ça. Ça c'est un gros miroir, ça c'est un gros miroir qu'on n'a pas déballé et que je ne sais pas, on va le laisser comme pour l'instant emballé. Et donc je vous disais, je vais m'attaquer à ça parce que si tout va bien normalement dans un peu plus d'une semaine, j'ai ma soeur, avec mon beau-frère, ma nièce et mon neveu, donc Mathis, Rose, Mel, Aurel, maman et Alan qui doivent venir passer des vacances à la maison et on aimerait bien ranger cette pièce déjà pour pouvoir les accueillir. Donc voilà, enfin c'est pas on aimerait bien, c'est il faut que je me bouge les fesses et que je range cette pièce, c'est tout. il n'y a pas moyen de négocier ça, quoi, j'ai envie de dire. Alors du coup, voilà, bon, il va falloir que je range cette partie aujourd'hui. Après, on a l'ancien locataire qui doit venir nous voir aussi. Voilà, hier on a pendu donc les cadres dans la chambre des filles, parce que vous avez vu, là, elles sont en train de trier les jouets, ranger et tout normalement, parce que c'est pareil. En début de vacances, on aime bien... Enfin, pas toutes les vacances, mais souvent, on aime bien tout retrier les jouets, s'il y a des jouets qu'elles se servent plus, enfin voilà. On fait le ménage de printemps dans les chambres, on va dire. On fait ça à peu près à chaque vacances, donc on a commencé hier après-midi, mais comme il y a beaucoup de jouets et tout, ils vont finir un peu ce matin pendant que moi je vais commencer cette pièce. Et faire le ménage de cet étage. Et en haut, on a déjà fait en fait WC, salle de bain. Enfin, en troisième. J'ai fait hier WC, salle de bain et la chambre à Lola. Donc, il me reste la chambre à Lucie, à Lille. Ah non, la chambre à Lucie, on l'a aspirée aussi et tout. Il me reste plus que la chambre à Lilou, au troisième étage. Donc, je vais faire le troisième étage, le deuxième étage pour là ce matin. Et puis, voilà, hein, ce sera déjà bien. Et on va quand même passer l'aspirateur en bas aussi. Parce que l'aspirateur, en fait, en bas, je le fais tous les jours. Hein, de toute façon, avec les poils d'animaux, je suis obligée. Donc, voilà. Après, les chambres, je les fais tous les 2-3 jours. Je les fais pas tous les jours. Et après, tout ce qui est WC et salle de bain, les WC, c'est tous les jours. Et puis, les salles de bain, voilà, pareil, tous les 2-3 jours, je fais le grand ménage, on va dire, voilà. Donc, là, on va s'attaquer au ménage. Et puis, on vous reprend dans un petit moment. À tout à l'heure. Bon, alors, voilà, il est à peu près, ouais, presque bientôt 2h de l'après-midi. On va enfin manger. On a tout fait le ménage, on a tout rangé. Et en fait, on a retrouvé plein de choses. Hier, j'ai pendu des étagères, des cadres. Je vais pouvoir recommencer parce qu'il y en a plein d'autres à pendre. Qui était dans les cartons qu'on n'avait pas fini ou quoi, mais du coup vu qu'on a tout fini, enfin j'ai tout fini les cartons ce matin en grande partie. Les outils à Ludo, on les a mis dans la pièce là derrière. Pour l'instant je lui ai juste mis là et puis il se débrouillera pour les ranger lui, parce que si je le range puis qu'il les retrouve pas, il va pas être bien content. Donc voilà. Et mis à part ça. Ah si, je voulais vous montrer, enfin rapidement, parce que voilà, sinon je vais me faire disputer. Je vais vous montrer juste comme ça. J'ai fait. Ah ouais, mais on voit quand même. Ouais, bon bah. Non, on va trop voir. Je peux pas vous montrer. Faudrait que je cache les visages, sinon. En fait, j'ai fait un mur photo avec du washi. Et du coup, on a mis plein de photos avec les filles et tout. Si je vous montre juste le haut, comme ça, là, pour le cacheux. Voilà, là, c'est moi et Ludo cet été. Là, c'est moi quand je faisais un centre de loisirs. Et en fait, bon, bah, vous voyez un peu l'idée. On va faire comme ça, que vous voyez pas trop les gens. Parce qu'il y a ma famille, il y a tout le monde, enfin, voilà. Donc, on va faire comme ça, ouais, après, c'est les filles. Vous voyez l'idée, j'ai fait un mur comme ça. Et donc ça fait une grande partie du mur, tout avec du washi et tout. Faudrait que je mette des post-it, sinon sur les têtes que je peux pas vous faire voir, mais ça va être compliqué, je crois. Je sais pas.
Enfin voilà, du coup ça fait c'est dans l'entrée, du coup ça fait une entrée sympa. Et là on a retrouvé des guirlandes de fanion qu'on avait fait avec Ludo et qu'on va peut-être, on va bien en mettre une là, je pense. Donc voilà, pour habiller toujours nos murs. J'ai avancé. Blanc, très très blanc. Voilà, Ludo il voulait vous montrer qu'il a avancé son pulse, alors vas-y. Un petit peu, hein. Ouais, il a commencé les coins là. J'ai fait la partie là ce Il a fait un matin. peu de l'eau, enfin voilà, hein. Lui il s'amuse hein, pendant que moi je fais le rangement, évidemment. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait en haut. Alors on va monter l'escalier. Je vais couper puis je vais vous reprendre. Donc là on arrive en haut de l'escalier. Donc là c'est les cadres et tout que j'ai trouvé qu'il faut encore qu'on affiche avec les filles. Il y a des dessins des filles, enfin voilà. Ça c'est les guirlandes de fanion que je vous avais dit qu'on avait fait. Au début on les avait fait parce qu'on devait se marier. Mais bon, vu qu'on s'est pas marié et qu'on sait pas quand est-ce qu'on pourra se marier, voilà. Donc voilà, on a quelques guirlandes de fanion et on a des décos ici qu'on va sortir. Les pompons verts, je pense que je vais les mettre dans la chambre à Lucie aussi. C'est des pompons de tulle que les filles nous avaient fait, enfin voilà, qu'on avait fait avec les filles et tout. Donc voilà. Donc bah là, j'ai mis deux trois petites choses en déco. Ça c'est un photophore que Maria avait fait aux filles. Du coup, je vais mettre une guirlande LED dedans, comme ça s'ils veulent, ils pourront l'allumer. Ça c'est une petite déco, alors ça a un peu bougé dans le déménagement, mais normalement il y a une licorne au milieu des fleurs, là je sais pas si vous allez la voir, enfin voilà, dans un petit bocal. Ici c'est un galet qu'on avait ramassé à la plage, qu'on aime beaucoup, du coup je l'ai laissé là. Oh là là, ça résonne creux. Ça c'est lors de mon premier échange que j'avais fait pour un Noël. On m'avait offert un marque-page mini, du coup je l'ai mis là. On a mis deux cadres comme ça qui sont pas pendus, qui sont juste posés sur la cheminée, parce que vous savez, on a des cheminées comme ça. Du coup, ben là, c'est tout rangé. Voilà, bah ça c'est le couloir, hein. Je vous ai dit, voilà, dans le couloir il reste les choses qu'on va devoir prendre et tout, peut-être cet après-midi ou demain, parce que là je suis plus très motivée. J'ai sorti les matelas gonflables, la pompe, des couettes, enfin voilà. On va voir comment on va installer, sachant que la pièce elle est coupée en deux, je sais pas si vous verrez comme ça, peut-être que vous allez mieux voir ici, ça fait comme une pièce où on peut mettre par exemple un lit enfant, on va dire. Ouais, un lit enfant. Et puis, ou alors on va mettre le lit enfant de ce côté, je sais pas. Ici, ça fait comme une deuxième pièce en fait. Avec la porte ici, c'est pour ça qu'on se disait, si on accueille des enfants, peut-être qu'on va garder cette chambre. Parce que si on a deux enfants, on peut en mettre. On peut faire un coin ici pour les plus petits, par exemple, et un coin ici pour les plus grands. Plus adapté, peut-être avec un clic-clac ou quelque chose comme ça. Ou un lit de personnes dans ici, quoi, de ce côté. Et puis une bibliothèque ou quoi, on mettra des livres. Et puis ici, voilà, on pourra mettre. Un lit. Moi je pensais plutôt le lit enfant ici sur deux. Enfin sur un ou deux étages, ça dépend. Ici on a fait une caisse voilà de babioles. Alors ça c'est des babioles que les filles elles jouent plus trop avec ou quoi. Bon on a mis là comme ça quand Rose et Mathis si vous venir, il y a des clipots et il y a quelques livres. Enfin voilà, il y a des cubes en bois, une couronne. Elles ont fait une petite caisse de jouets pour les cousins-cousines pour partager, c'est marrant. Les deux cartons là, ça c'est pour Mel, Aurel et Mathis et Rose et ça c'est pour maman. C'est les colis qu'on leur a préparés. Et donc voilà les cartons, j'en ai empilé une bonne partie là-haut. Alors je sais pas si vous allez voir, ça c'est le placard du couloir qui dessert la salle de bain ou la chambre de notre chambre de l'autre côté. Et ici le couloir, enfin la salle de bain. Du coup, ce que j'ai fait dans ce placard, il y a tout ce qui est les draps, les serviettes et tout, de ce côté-là. Les deux premiers étages, il y en a un pour moi, un pour Ludo. Et les deux du bas, en fait, c'est le scrap des filles surtout. Et du coup, en haut, j'ai mis toutes les affaires du mariage et tout, ce qui va rester dans les cartons qu'on n'a pas forcément besoin. Ça, c'était les médicaments. Enfin, voilà, c'est pareil, il faudrait que j'y trie vraiment, parce que voilà, on en a. Enfin, je sais pas. Et ça, c'est ma caisse pour faire mes cosmétiques et mes produits maison. Donc, c'est pareil, je la laisse là entre les deux, quoi. Du coup, voilà, bon, ma chambre, c'est encore le bazar. Et puis là, bon, on a le linge qui sèche dans la salle de bain. Mais bon, voilà, la salle de bain, elle est propre aussi. Voilà, on a tout fait la salle de bain. Sinon, c'est tout, hein. On va aller voir les filles, mais je crois qu'elles n'ont pas fini leur étage encore. Je pense qu'il va falloir que je m'y mette avec elles cet après-midi parce qu'elles ont plutôt du mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tatin, ouais, non, elles n'ont pas fini. Là, elles ont rangé déjà tout ce qui est les livres, les cahiers, les classeurs. Là, il y a encore un cadre qu'on a retrouvé qui est à Lilo, qu'il va falloir que je prenne. Hop là. Non, 2 minutes, merci. 2 minutes, merci. Donc voilà, ça c'est le cadre à Lilou de Reine des Neiges, qu'elle a depuis un moment. Et les chambres ne sont pas finies. Donc voilà, je vais devoir me fâcher. Ici, on a mis les petites décos comme ça. Et là, elles ont commencé aussi à mettre des photos ici. On a des photos, ouais, je vais vous cacher une photo. Les autres, vous pourrez les voir. Alors attendez, parce que faut que je vise. C'est les photos qu'elles prennent elles-mêmes, ça, c'est quand elles font des bonhommes dans leurs assiettes. Voilà. Et ici, c'est
Lola dans les bras d'un ami, donc elle a mis sa photo ici. Ici, c'est la photo de la chambre, enfin voilà. Bon, bah, à plus tard. Bonjour à tous, alors on va cuisiner et je voulais vous montrer la recette de ma pâte à tarte. Parce que, on m'a demandé comment je faisais ma tarte à l'orange. Donc ce soir, on va faire la pâte avec les filles parce qu'elles sont en vacances. Et puis demain, on fera l'appareil à l'orange qu'on mettra dessus. Donc là, en fait, moi, je fais une base de sablé, c'est mes sablés de Noël. Et je m'en sers comme base pour faire la tarte à l'orange ou au citron, normalement. Donc Lola, t'as mis quoi dedans? La farine. Voilà, on a 250 g de farine. Le beurre, tu vas le couper en petits morceaux. Donc là, il y a 100 g de beurre. On y met un œuf, 125 g de sucre. Alors, attendez, je vais peser son sucre en même temps. Je mets 70 g de poudre d'amande. Et dans celle des filles, on mettra 70 g de poudre de noix de coco. Parce qu'elles, elles vont faire des biscuits à noix de coco. Et une cuillère à café de levure chimique. Donc, je répète, 250 g de farine, hein, 900 g de beurre mou. 125 g de sucre et 70 g de poudre d'amande ou de noix de coco ou de noisette, ça le fait aussi. Et une cuillère à café de levure chimique. Après, on va mélanger tout ça jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte. Après, on la roule sur la table et on fait un sablé, mais on vous reprendra à ce moment-là. Donc là, je vais les laisser mélanger les ingrédients tranquillement. Bon, en fait, vous voyez même pas, mais Lola, elle coupe le beurre en petits bouts comme ça pour le mettre dedans. Vous pouvez faire pareil, les filles. Donc voilà, à tout de suite. Re-coucou, alors on voulait vous montrer ce qu'on fait avec la pâte à... Bonsoir. À sabler, du coup. Alors je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc on a fait un premier cercle comme ça. Ensuite, on a fait un deuxième cercle qui fait le trou au milieu. On met la pâte à sabler l'une sur l'autre comme ceci, que j'appuie légèrement pour essayer de souder un peu ensemble, on va dire ça comme ça. Et ensuite, Lilou, qu'est-ce que tu fais? Je mets de la confiture. Non, mais tu peux attendre, j'ai pas fini, merci. Hop. Allez, vas-y. Elle met une cuillère de confiture et en fait, ça nous fait des petites tartelettes, voilà, pour le goûter ou le déjeuner. Moi aussi, j'en ai fait sur ma cuillère. Donc là, on a fait quelques tartelettes. Enfin, on a fait, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait 8 tartelettes. Ça, c'est le reste de la pâte à l'amande. Du. Comment? La pâte à l'amande de quoi? De Lola et Ouais, de la grande tarte, voilà. Donc voilà. Et après, on va faire pareil. Après, là, vous voyez, on a fait une étoile et on va faire plein de petits sablés comme ça, normal, enfin, nature, quoi. Donc voilà, on va faire les petits sablés nature avec les filles. On va les mettre tous sur une plaque. Et puis voilà, elles auront des gâteaux pour le déjeuner et le... goûter. Voilà, ça vous fait plaisir? Oui. On a aussi fait à la noix de coco et... oui, toi, t'as fait la noix de coco. Avec Lilo. Voilà, avec Lilo, vous avez malaxé. Et notre coco, vous allez vous faire des jolis petits cœurs. Je vous ai préparé deux emporte-pièces cœurs. Donc, je vais vous étaler la pâte et on va préparer les feuilles. Voilà. On a été se promener, je vous prends parce que c'est un moment hippique. Allez, le ballon, vous voyez, il s'en va de l'autre côté du pont, là-bas. On a Lilo qui a essayé de l'attraper, qui a glissé dans la vase, qui a tout trempé ses chaussures et ses chaussettes. Et Lucie a eu la bonne idée de le jeter dans l'eau. Non, mais c'est trop tard, adieu ballon. Au revoir à tout jamais. Bon alors, finalement, 2 km plus tard, le ballon il s'est coincé là-bas, il y a des souches et tout. Du coup, on a pu le récupérer. Donc voilà, t'es contente Lilou? Oui, c'était mon ballon. T'es contente Lola? Oui. Oui, quoi? Quand deux ballons. Voilà, coucou Croquette. Oui. Oh, qu'elle est belle la toutoune. Voilà, toi tu le touches plus parce que pour le mettre dans l'eau, merci. Bon alors du coup, vu qu'il y a le stade là-bas, on va aller jouer, enfin faire jouer les enfants au stade. Et comme ça, on vous dira un peu, on vous fera un résumé de notre semaine parce qu'on n'a pas beaucoup vlogué. Donc voilà, on va faire ça en pleine nature aujourd'hui, on a envie. Alors, le temps il est bon moyen, il y a des nuages, mais bon, il y a quand même un peu de ciel bleu. On a eu un peu de soleil et c'est plutôt sympa, mais vous voyez pas les nuages avec les reflets de blanc, c'est dommage. Voilà. Oui, tu peux marcher dans l'eau. Vas-y, t'as les bottes. Voilà, alors on les a habillées de façon à ce qu'elles puissent se salir. Alors vas-y, on t'écoute. Alors,
J'ai fait une semaine au médecin, hein, entre les échos, les docteurs et tout. Voilà pourquoi on n'a pas beaucoup vlogué aussi. On peut avoir des nouvelles ? Alors, j'ai bien eu une luxation de la clavicule. Et j'ai une boule derrière le bras, on ne sait pas c'est quoi. Donc j'ai un IRM à passer pour voir c'est quoi. Et sinon, ils m'ont dit, ça y est, je peux commencer à bouger le bras avec la rééducation. Ouais, tu veux aller au kiné ? Ah, je vais aller au kiné, hein, enfin, pouvoir bouger mon bras correctement. De 1 et... T'es prolongé jusqu'au 1er mars. C'est ça, ouais. On va jouer au foot. Oui, bah va jouer au foot. On vous regarde et en même temps, papa il discute, on viendra après. Allez, vas-y. Allez. Donc voilà, sinon pas plus. Hein. Voilà, on est allé promener un peu. Hein. Aussi, il nous a quillé le ballon dans l'eau. C'était sympa, on y a couru après pendant quelques kilomètres. Bah, en fait, alors, je vais vous expliquer vite fait. Le ballon, il est tombé bah, là-bas, sous le pont, hein, il était tout à l'heure. Donc vous allez constater qu'on a fait le tour comme ceci. Voilà, on a suivi le ballon tout le long de la rivière. On regardait, on attendait qu'il se coince quelque part. Et donc on a été jusqu'à bah, là-bas au bout de la forêt, en fait, le récupérer là-bas au bout. Voilà, pour la petite histoire. C'était sympa, on a suivi la rivière quoi sur une longue distance. On essaie d'envoyer le chien qui couinait après le ballon mais qui n'a jamais été le chercher. Alors Croquette, tu nous as pas ramené le ballon, t'exagères. Hein. En fait, il faut expliquer que Croquette, quand elle était petite, elle a failli se noyer. Du coup, Croquette, assis. Fais-la s'asseoir. Assis. Alors, elle a failli se noyer quand elle était petite. Du coup, maintenant, quand on lui dit d'aller dans l'eau pour nager, mademoiselle, dès qu'il y a du courant ou qu'elle a papier, elle a peur. Bah alors, Croquette. Bon, enfin, voilà. Allez, on va aller récupérer la plus petite et puis on va aller jouer un moment avec les filles. À tout à l'heure.